Ah, encore un jeu Square. Encore un jeu Square Enix. Marvel Avengers. Vrai test. J'avais jamais joué. On m'en a dit que du pas très bien. Il est sur Game Pass. Découvrons. Ah, c'est pas la même musique. Ah, pardon. Oui, autorise. Laisse-moi jouer. Oh non, oh non. Alors, la tchoum de moi. Accepte, sinon je peux pas jouer, t'es obligé malheureusement. J'ai pas de sauvegarde. Ah, les jeux. Est-ce qu'il y a. Non, il y a pas Spider-Man. D'accord. Attends. Qu'est-ce qui doit être à peine visible? Ah ouais, non, vous le voyez extrêmement bien. Moi, je le vois que dalle. Ça va être ça, hein. Oh, plus de luminosité. Oh, ce pim pam. J'ai jamais lancé le jeu, comme vous pouvez le voir. La boutique. Alors. L'histoire. Black Panther, Black Widow, Captain America. Yeah. Comment ça s'appelle? Oh, je ne sais plus. Ashley, là. Non. Voilà, jeu solo. C'est ça qu'on veut. Vas-y, va pour normal. Ah, c'est surtout un jeu multi. Mais il y a un petit solo à ce qui paraît. C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. En français. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. Mais pas de soutien. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir... agir. Crystal Dynamic Prison. Miss Marvel, celle qui a les gros... On voit le pont à bout, regarde là. Oh. Oh, il était temps. Oh. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique. Ah ouais, c'est utilisé l'hélicoptère et tout, gosse doré. Je parie que leurs histoires sont toutes géniales. La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. Ah non, ça c'est pas un truc de et science, si, ok, ok. S'ils aimaient pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi? Moi j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fier de qui tu es. Je t'aime, Apu. Je t'aime encore plus. Et je suis sûr que tu vas gagner ce concours. Et le tonton? Oh là là, t'imagines? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan. Et la foule m'acclamerait. Voilà, c'est ça l'idée. Promets-moi une chose. Que tu gagnes ou non? Oh, je serai quelqu'un de bien, Apu. Oh, bêta. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Nous approchons du quartier général des Avengers sur la gauche, et nous poserons bientôt sur le Chimère.
c'est y aller en bus. Allez, Abou, on y va. J'arrive, j'arrive. Calme-toi un peu. C'est plutôt joli pour le moment. Ah, c'est vraiment ça, gros plan tout le temps. C'est parti pour le concours d'écriture. Ouais, c'est stylé, c'est beau. Oh, Amelka. Bienvenue au jour des Avengers. Tous les VIP et les finalistes pour le concours d'écriture, ainsi que leurs accompagnateurs. Non, non, mode photo, casse-toi. Je crois que j'ai jamais utilisé un seul mode photo de toute ma vie. C'est stylé. Wow. Je me demande s'il est aussi grand en vrai. C'est quoi cette... Ah non, c'est un hologramme. Un hologramme. Et passe la main. Plutôt cool. Mais j'espère que je verrai les vrais. Wow. Oh. Heureusement que c'est juste une statue. Toujours en train de prendre la pose. Mais... On la prend. Bienvenue au jour des Avengers. Bonjour. Bonjour finaliste, tu peux me donner ton nom ? Kamala Khan. Et voici mon père. Youssouf. Ah, c'est le père. Les Khan, super. N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous peut-être les aurez tous, scannez votre pas. Téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Tu n'as pas déjà assez de comics ? Mais c'est pour le balcon VIP. Il faut que j'y accède. Attends, je vais juste faire un truc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Oh, bête. Option. Ah, mais j'appuie option, je dois re-appuyer sur option. Yeah. Sous-titres. En couleur. Ouais, vas-y. Ah ! Attends. Comment ça ? C'est pas là. Ok. Vigilance tactique. Ah. Apparemment, il faut scanner les codes-barres pour recevoir le pass VIP. On voit chaque stand un comics. Je sais pas par où commencer. La salle d'arcade, le marteau de Thor. Oh. Ah. Moi, je vais au stand de. Ah, le rayon laser. Mais vous laissez vraiment les coups comme ça. J'ai les cibles rouges, mais pas les vertes. J'ai besoin de 150 points pour gagner. Pas de problème. Ok. Ouais. Oh non, ok. Ah. On va viser la manette. Professionnel, mais pas assez. Quoi ? Non. Oh. Là, c'est... Et voilà. On a gagné. C'est pas mal du tout. On est trop fort. C'est maintenant à moi. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu dois faire une heure de queue pour pouvoir participer. Je suppose que je vais aller là. Oh non. Est-ce que ça va ? Non, j'ai déjà ce comics. Il me faut celui de Captain America pour finir la collection. Eh, si tu le trouves en double, on pourrait échanger ? Ouais, bien sûr. Super, à plus tard. Merci, homme douteux. Ou pas. N'échange pas. Je suis Iron Man. Je suis Iron Man ! Trop cool ! J'avoue, c'est stylé, hein. À tous les produits dérivés, c'est quoi ça? J'y crois pas, des gants répulseurs. Il faut que j'en essaye un. C'est dingue. Oh, c'est trop cool. Ah, quelle est donc cette atrocité? Oh. Ah, toutes mes excuses.
Tu es toute petite, je ne t'avais pas vue. Tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'Odin. Même si je comprends ta réaction. Quel est ton nom ? Oh, Kamala Khan. Je vois. Et quelle est cette chose que tu tiens ? Oh, c'est un rayon muon à haute densité. Un gant répulseur modèle 3. Le premier camp de Tony Stark. Par la barbe d'Odin. Tu es presque aussi intimidante que lui, hein ? C'est très drôle. Oui, en effet. Regarde, voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration. Oh, wow. Quiconque possédera ce marteau, si il ou elle s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et la puissance d'un dieu. Peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part, non ? Oui. Oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci. Vous aussi. Kamala Khan. Je me souviendrai de ton nom. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer le dieu gars. Du tonnerre. Génial. Oh merde. Les comics, la récompense. Allez, on se concentre. J'aime bien le petit raclement de gorge, c'est juste pour dire « Ouais, faut bien commencer quelque part, oui, oui, oui. Soit t'es des pouvoirs, soit de l'argent. Bonne chance. » Donc on a fait... Hop, hop, hop. J'adore vos cheveux. J'espère que c'est pas trop fort. Vous avez déjà envisagé de le couper ? Le Captain America. Oh non, il y en a plus. Oh. C'est le bouclier qu'a utilisé Cap pour frapper Hitler en pleine tête. C'est trop cool. Pousse-toi de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vrais fans. Hé, hey, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan ? J'ai le droit d'être là, moi aussi. Tu penses vraiment que les Avengers ont lu ta petite histoire ? Vas-y, dégage. Et toi ? Sale pégu. Quand la foule et la presse et le monde entier vous demandent de partir, restez planté là comme un arbre au bord du fleuve de la vérité. Et dites non. Vous partez. Hein ? Et qui a dit ça ? Un vrai fan le saurait. Oh ! Ouais, si tu le dis. On se tire d'ici. Ah ouais. Elle connaît tous les openings. Génial. Et les endings. Il n'y a même plus de comics. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Merci. Tu dois être une fan de Captain Marvel. Elle n'est pas là, mais elle aurait aimé te rencontrer. Pardon, vous êtes Captain America ? Je suis Kamala. Kamala Khan. Khan... Khan. C'était l'histoire sur les espèces de lézards. Lézards des égouts, oui. Ouais. Ouais. Thor a vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu mon histoire ? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Hé, Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor ? Il devrait être là maintenant. Ah, moi, je l'ai vu. Je veux dire, il était là-bas au stand Stark. Mais il doit plus être là maintenant, je l'ai vu s'en aller. C'est qui ça ? Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Voici Kamala Khan, notre spécialiste en lézards des égouts. Oh, je vois. Oh, ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout, super cool. Oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Ouais. Peut-être à bientôt, Kamala. À la prochaine, petite. À la prochaine. C'était Captain America. Yeah. Et Black Widow.
C'est incroyable. Merveilleux. Ouais, ça fait deux. Moi, ça me dérange pas, les têtes qui changent. Le début des festivités. Mais je vous retrouve ça m'a... J'ai quelques comics. J'ai tous les Civil War déjà. Enfin, j'ai beaucoup de DC, mais. Peut-être voir les têtes qui changent ou autre. Ça m'a jamais causé problème. Et ils sont où les autres? Zut. Ça sent rien? Oh. Quoi ça? Je peux essayer? Tente ta chance, vas-y! Est-ce que nous sommes l'élu? Ah non! J'étais presque! Presque digne, c'est déjà pas mal. Voilà ton comics. J'ai réussi! Merci! Et un comics de plus! Non mais le B il est à chaille. Attends, on peut courir. Ah. Captain America et les Avengers? L'affrontement des super-héros? Wow. Hulk écrase. Okay. Faut taper très très fort. C'est parti. Go. Ouais. Comme alors aussi fort que Hulk. Hulk qui te met une patate, t'es un peu en PLS. J'y suis presque. Balcon VIP, me voilà. Ouais. En français, c'est bizarre. Donc il nous manque le C. Ah mais pauvre gars, il n'aura jamais son comics. Cool, encore des comics. Posez-la comme ça. Ne laisse pas Stark. Ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé. Le terrigène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Notre travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider. Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Réfléchis, on est si proches. Te voilà. Bruce. Tu as disparu ce matin. J'ai toujours beaucoup à faire. Je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres, juste une dernière fois? Ah, oui, certainement. Merci, je suis désolé. Hey, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh oh, je suis perdu. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord? Je croyais que c'était les Twilight. Je l'ai déjà celui-là. Attends, je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon. C'est pour l'autre. Faut juste que je vérifie un truc. Je mets ça sur le côté. Comme ça, on est bon. Voilà. Bah, tu l'auras, ton comics. Hey, j'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. C'est bon, je les ai tous. J'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. Nous vous rappelons que si vous récupérez 5 comics exclusifs à cet événement, vous pourrez accéder à notre balcon VIP. Profitez au maximum. Oh. Incroyable, la taille de ce truc. Directeur Fury,
Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce terrigène? Nous ne savons rien de cette... N'ayez crainte. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque. Sachez que le Chimère bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du Shield. Merci. Bruno voudra jamais me croire. Oh, petite, fais attention. Oh. Pardon. Ça réagit avec nous. Le terrigène est le premier élément naturel découvert depuis le francium en 1900. Merci, VIP. Beta, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il faut que tu scannes ton téléphone. Tu as bien les comics. Ouais, ouais. Ah, mais c'est vraiment son blaze, en fait, Abou. C'est pour ça, appelle son papa par son prénom. Sésame, ouvre-toi! Je détiens tous les comics! Oh, je m'en excuse. À une lettre près, Ah, t'as raison, ils auraient pu. Ça fait partie de Disney maintenant. Alors je suis content, Beta. Chut, qu'a pas dit quelque chose. Il nous faut passer, nous, les héros, pour bien plus formidables que nous le sommes. Oh, c'est VIP, mais bon. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non polluante, appelée Terrigène. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert, le docteur George Tarleton. Merci, Cap. Capitaine Rogers. Le chimère est alimenté par un nouveau minéral, le terrigène. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Bonjour, San Francisco. Une ville formidable. Même si, pour se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème, d'ailleurs. Joli sac. Non, ne dites pas qu'il y a des musiques DMCA. Oh non, j'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Oula. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de suivre. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Oui, évidemment. Je vais cependant me rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça vite. Je t'ai pas attendu. Thor, oui. Essaie de dégager un passage sur le pont. Ok. Logo, il y a au moins 2 centaines d'hommes armés ici. On a besoin de renforts. Yop. Bonjour, je suis Tony, un Thor, dieu. Des mortels sont vous êtes niveau 1, ils vous mourrez pas à mon premier coup. Armé et agressif. Ah, je viens de prendre un bus. J'aurais dû prendre un petit déjeuner plus consistant ce matin. Venez. Ah, les petits mots. Hey. Thor, merci pour votre aide. Des civils sont coincés derrière ces barricades. Compris. Restez derrière moi. Je vais m'occuper d'eux. Pas de problème, non. Ouvrir. On va bien s'amuser. Elle est pour viser. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Mais genre, t'es pas mort. Pas présenté. Attendez, ces armes viennent du Shield. Je vais contacter le commandant Hill. Cap, ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je suis d'accord, Bruce. Je reste dans le chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Oh, à l'aide,
Oh non, il faut le sauver. Vous êtes blessé ? Non, juste coincé. Vous avez de la chance, je suis très puissant. Merci, Thor. Mettez-vous à l'abri. Je peux pas. Ah mais tu voles ! Non ? À terre, les secours arrivent. Bonne cible, les gars. Tuez le dieu. En même temps, je cible. Oh. Oh, ce petit mouvement. Je tape le poing. Oh, oh, dieu du tonnerre, qui a dit que tu serais le seul à avoir le droit de t'amuser? Non mais oh. Ah, une grosse attaque. Je dois l'avouer, c'était très impressionnant. Ça te surprend? Oh, quelle arrogance, ça me plaît. Attention! Oh non, ils ont des boucliers en vire. J'adore! Voilà, ça marche! Wow! Calme-toi! Un convoi du Shield a été détourné ce matin. Ce serait pas un de ces briefings de Fury que je lis jamais? Tu devrais, Tony. C'est important. D'accord, peu importe. Hein? Prends visée. J'ai pas de Jarvis qui peut m'auto-guider. Des roquettes pulsars. Ravi de voir que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais. C'est moi qui les ai fabriquées. Cap, on devrait protéger le cristal d'Erigène. S'il est touché... Wow. Je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Oh, ça me... Restez à couvert. Bon, qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Avengers, le convoi transporte le prototype secret du Shield. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Elle, comment va le chat? Dites à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah, je pensais pas que vous aviez entendu ça. Je peux descendre. Je pensais que ces idiots auraient fait demi-tour depuis le temps. J'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard. Ça cache quelque chose. Faut que j'apprenne à viser par contre. Qui a eu l'idée géniale d'équiper les camions du Shield de tourelles? Tony! Ah oui, c'était moi. Bon, faut le détruire. Comment ça? Pour esquive. Comment ça, retour au combat? Non mais je suis toujours au combat, j'ai droit de... Je vole. Je dois remonter. Ok. Par contre, c'est pas ouf. Ah mais même leurs tirs, ils suivent. Garde. Comment ça se passe pour toi, Tony? J'ai le droit de tourner. Oh, ça va. Tout se déroule à merveille. Je m'en doutais. Ils ont des blindés plus tard.
Cap, ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge ? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien reçu. À toi, Bruce. Oui. Faut que je me vénère. Ah, Vinyuk, s'il te plaît. Faut qu'on m'explique par contre comment ils réussissent pas. Comment ils réussissent entre toi, Tony. À survivre un coup de Hulk. C'est blindé, fragilise sérieusement le pont. Si on s'en occupe pas, il risque de s'effondrer. Dépêche-toi, mon grand. C'est déjà un peu il a déjà bien souffert. Grosse attaque. Je le vois. Hulk, je vais atterrir le Quinjet. Esquive. Tes inventions sont dangereuses, Stark. Hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. À terre ! Là, il y a encore des gens ? Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap, je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends ? Oh, 31. Genre lui, il fait le méga. Évacuez les civils. 3000. Tu te fous de ma gueule? T'es le plus nul. Regarde, il se fait stun par une grenade comme ça. Steve, tu m'entends? Nat, j'ai bloqué. Nat, Tarton, vous êtes là? On a été coupé. Captain, on a un problème. Je sais, Doc. Ils essaient de détourner le chemin. Pas ça. Jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible. Nerf.
J'ai hâte de faire rebondir. Carlton, dites-moi ce qui se passe. Ah oui, on tue. Le réacteur ne se stabilise pas. La structure moléculaire du terrigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable. C'est du non-létal. Mais... Doc, pour rappel. Le vaisseau va pas tenir longtemps. Je fais de mon mieux, je... Quoi ça? C'est comment? Tarleton? Tarleton! Oh non. Avengers, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Petit saut. Avengers, pour rapport. Non mais encore. Avengers, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Oh oh. Une bombe sonique? C'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. Ok. Ah, ah mais bon, ça n'empêche pas les gens d'entrer. Une entrée. Je veux Black Widow. Taskmaster. Oh, je l'ai. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Ah, Task. Tu ne m'avais pas manqué. Vraiment, en voilà une nouvelle. Elle s'appelle de botter les fesses. Attractif. La base du pont est sécurisée. Rien. Les gars, je reçois des ondes sismiques étranges. Tony, camion. Compris. Ah, t'es dans la bouche. Dites pas. Je prends ça. C'est bon que ça résiste. Tu sais, j'espérais t'affronter. C'est marrant, moi je pense jamais à toi. Viens te battre. Son bouclier est nul. Non mais j'esquive, s'il vous plaît, monsieur. C'est plutôt un manque d'originalité. Tapez au calme. Allez, prends.
Ouch. Ah, faut alterner pour qu'il pas qu'il nous bloque. Ah bon, après, faut quand même que j'arrive à l'esquiver. What? On a fait un truc chelou. Non, mais au secours. Voilà. C'est ta dernière danse. C'est ta dernière danse. Appuyez sur R2 pour utiliser la prise Black Widow et contrer les attaques ennemies. R2. Ça doit être frustrant de toujours avoir un peu trop tard. Tu veux le chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Le vendre au plus offrant? Je suis à la recherche de quelque chose bah, il de arrive là. Plus précieux. Parfait. Et qu'est-ce que c'est? Je vais pas gâcher la surprise. On va le perdre. Chez. Tu l'as pas ton bouclier. Oh stylé. Ah mais vise. Non mais vise. Je cherche encore des réponses. Oh. T'abandonnes? Jamais. Et... secours. Aïe aïe aïe. Non mais après ah. Il m'enlève mon visage. Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? Que t'es pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Assez parlé. Lâche. C'est quoi le problème? T'aimes pas les surprises? La prochaine fois, prends de meilleures notes. Oh, l'invisibilité taille. On dirait que t'as perdu, non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville s'effondre. Mais c'est les quatre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Beta. Oh. C'est pas vrai. Non. Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Ils s'appellent X-Men? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir.
Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant ? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM, et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Heyday. Mais les inhumains, c'est pas autre chose. Ils sont incapables de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Bon, je sais jamais. Allez. Vous êtes passé. Doit bien y avoir un indice quelque part. On est 5 ans plus. Hey, salut. Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça m'intéresse. Waouh, Stark Rétro. Hey, tu as du temps pour parler, Beta ? Oh, mais il est en ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein? Oh! Et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où? Indice de mot de passe. Premier amour. Oh. Okay. Quoi? Premier amour. La bouffe. Allez, Kamala, tu peux le faire. Ah ouais. Zut. Ouais, faut pas mettre les tirettes. Allez, quoi. Oh non. C'est pas possible. Ça aurait été le premier film de la licence Marvel. Oh, ça y est, je suis dans le système. Vous aurez mis Iron Man, tout le monde aurait eu ça. Oui, je dois tout copier. Grâce à votre énorme ego, Monsieur Stark. C'est quoi ça? Stop, non! Non, non, non! Oh, c'est bloqué! Je ferais mieux d'apporter ça au QG. J'ai dû taper en plein dans le mille. Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Oula ! Calme-toi. Parce qu'avant, il faut juste que je vérifie 2-3 trucs.